Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça va être la présentation de ces deux livres coréens. Donc c'est les Momo Girls, donc celui de gauche c'est le volume 1 et celui de droite le volume 2. Donc je vous fais cette vidéo car il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé justement de les présenter. Donc je sais que le 1 il a été présenté déjà quelques fois sur YouTube, mais par contre le 2 je l'ai pas vu tellement. Donc le volume 1 pour ma part il se présente comme ça. Je sais pas si ceux qu'on commande en France c'est pareil, mais moi je sais que j'ai une jaquette comme ça avec une illustration coloriée devant et derrière. Donc c'est mon père qui me les a ramenés du Japon. Et il les a payés 11 euros chacun. Je sais qu'en France, on peut également se les procurer sur le site Etsy. Mais par contre, c'est le livre à l'unité, il est à 18 ou 19 euros. Ça dépend des vendeurs, avec environ 11 euros de frais de port. Mais par contre, les livres, ils sont vraiment magnifiques et la qualité du papier est vraiment très très bonne. Donc je vous laisse avec la présentation en musique du volume 1 et on se retrouve après pour l'explication du volume 2. Thank you.
Donc voilà pour le tome 1, et c'est vrai qu'on enfin on voit bien le style asiatique, et c'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Alors le tome 2, il est un peu dans la même veine, on va dire, mais c'est vrai que je préfère les illustrations du tome 2, et surtout que enfin vous le verrez au fur et à mesure de la présentation, mais il y a vraiment il y a vraiment deux styles différents et j'aime beaucoup. Donc pareil pour le tome 2, donc il y a une jaquette. Alors, je vous le dis, hein, je ne sais pas si les livres que vous achetez sur Etsy, je ne sais pas s'il y a la jaquette. Parce que c'est vrai que des fois, selon les éditions, ça varie. Mais en tout cas, pour moi, la version coréenne, il y a la jaquette avec, pareil, les illustrations qui sont déjà colorées. Voilà. Alors, par contre, j'ai eu la surprise de voir que dans ce tome 2, j'avais une pochette avec des cartes, des illustrations. Donc pareil, je ne sais pas si vous avez ces cartes ou pas sur le site Etsy. En tout cas, je trouve ça bien d'avoir certaines illustrations coloriées. Ça permet vraiment d'avoir des idées. Et que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Y a justement des illustrations déjà coloriées. Thank you.
Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ces deux tomes de Momo Girl que vous pouvez retrouver sur le site Etsy. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres livres que vous voulez voir en présentation, parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis mes deux dernières vidéos, c'était des présentations de mes livres Disney et hors Disney. Et je sais qu'il y a certainement des livres qui pourraient vous intéresser, notamment dans les livres hors Disney, je pense au Birdtopia ou même des livres. D'autres livres que j'avais achetés à l'étranger dont j'ai plus le nom en tête. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.